Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit temps réel, cybersec et... Alors bonjour, moi c'est Baptiste. Et moi c'est Guillaume. On est tous les deux ingénieurs software embarqués chez LCS Design. Alors moi j'ai découvert le monde informatique, j'avais autour de 9-10 ans avec mon voisin, je commençais à faire quelques lignes de code et puis en fait je me suis aperçu que ce qui me plaisait c'était faire clignoter des LED, piloter des servomoteurs, un peu l'aspect robotique, IoT. Donc je me suis orienté dans une école d'ingénieurs qui proposait cela, Grenoble INP et Sisar, et notamment la filière informatique des systèmes embarqués. Alors mon histoire pour moi elle est un peu similaire mais l'approche a été différente. Donc j'étais aussi très tôt passionné par la robotique et la bidouille avec les servomoteurs. Mais moi ce qui m'attirait le plus initialement c'était l'aspect électrique et l'aspect l'aspect électronique. C'est pour ça que je suis aujourd'hui diplômé de l'INSA Lyon en génie électrique. Et ma rencontre avec le software embarqué ça s'est fait pendant mon échange en Finlande. Donc j'ai fait 6 mois à l'étranger. Et c'est là que j'ai appris, que j'ai débuté et que j'ai eu l'étincelle pour le software embarqué. Pendant mon stage de fin d'études, j'étais en binôme avec un second stagiaire, en distanciel avec l'agence de Grenoble pendant que j'étais moi à Lyon. On a réalisé un robot qui réalisait l'accueil des personnes arrivant à l'agence, c'est-à-dire qu'il allait à la porte pour les prendre en charge et les guider vers le bon endroit. On s'est basé sur une base robotique qu'on a conçue ensemble. J'étais plus personnellement en charge de la personnalisation d'une image Linux afin de faire tourner une cartographie et de la navigation en temps réel. Moi de mon côté, j'ai fait une preuve de concept au sein de L6 Rennes du coup, qui consistait à étudier l'embarquabilité de l'intelligence artificielle sur des plateformes ultra légères dans le monde des satellites. Et donc on a d'abord développé une IA en Python et ensuite on a tout transformé en C très bas niveau pour pouvoir l'embarquer sur des cartes style STM32 ou Xilinx. De mon côté, j'ai choisi de rejoindre LCS Design à l'issue de mon stage parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu ce déclic plutôt tard du software embarqué et LCS Design a grandement participé à ma découverte et à mon initiation dans ce domaine-là. Et c'est la force de proposition que j'ai eue au cours de mon stage avec l'adaptabilité et la présence des autres personnes qui travaillent pour L6 que j'ai souhaité continuer là pour avoir cet aspect de formation et continuer justement cette découverte du software embarqué. Moi de mon côté, j'ai fait le choix de rester avec L6 Design parce que pendant mon projet de fin d'études, j'étais suivi par la direction technique Paris et Ouest de L6 Design. Donc je côtoyais des personnes qui étaient très compétentes techniquement, avec qui j'ai eu des échanges qui ont été très instructifs, notamment dans le monde aéronautique, puisque moi ma passion ça restait l'aéronautique au départ. Et en sortie de Covid, c'est vrai que c'était assez compliqué l'innovation dans le monde aéronautique et voilà. Donc du coup, cette disponibilité, on va dire, et ces échanges m'ont aidé dans mon choix professionnel et c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester chez L6 Design. De mon côté, je poursuis du coup dans la logique de mon stage, c'est-à-dire que je travaille dans le domaine de l'IoT et je suis sur le développement de 3 piliers. Donc le premier, c'est la réponse à des problématiques de système temps réel. La seconde, ça va être la mise à jour à distance, donc avec des problèmes de cybersécurité notamment. Et la dernière, ça va être l'optimisation des temps de démarrage des systèmes. Et moi du coup de mon côté, j'ai traversé la France, je suis venu de Rennes jusqu'à Lyon et aujourd'hui je travaille pour un client du ferroviaire, je fais de la sécurité dans les trains, trains du futur, donc tout ce qui est autonomie, trains connectés et ainsi de suite. Ce que j'ai pu noter, c'est l'importance que prend le stage de fin d'études pour lancer sa carrière et pour pouvoir avoir un premier job qui soit convaincant et intéressant de notre côté. Personnellement, je pense qu'il faut vraiment prendre le projet de fin d'études comme une porte d'entrée dans le monde professionnel et il faut se poser la question de comment on veut travailler demain. Est-ce qu'on veut plutôt une équipe jeune, dynamique, à la fois entourée de personnes compétentes, avec des libertés, comme on a pu le ressentir au travers du stage. Je pense que voilà, si aujourd'hui c'est les choses qu'on recherche, L6 Design c'est un très bon candidat aujourd'hui pour travailler dans ce contexte.